poignard qui bouge. Ouh là là, ça fait peur. Il inflige 6 points de dégâts à bah, Shaolan et Jidaken. Donc là, ça agit Mauricia. Est-ce que je suis trop loin là pour leur tirer quelque, pour lui tirer quelque chose? T'as le droit d'avancer de quelques pas et tirer ta flèche, donc tu peux non, genre faire ça quoi. Ouais, je voulais poser une question. Mon pas de l'ombre, c'est quoi? Et ça te permet d'accéder à des endroits qui ne seraient pas possibles en temps normal. Par exemple, un mur qui est en hauteur à 7-8 mètres, tu pourrais te téléporter avec ton pas de l'ombre, alors que tu pourrais pas sauter pour l'atteindre avec des moyens naturels quoi. Je peux faire un pas de l'ombre et tirer ensuite ou pas? Tu peux éventuellement faire ça, mais tu peux aussi te déplacer et tirer. C'est, ça dépend où tu veux aller et comment. En fait, je voudrais aller là, derrière lui, pour pas qu'il me voit. Alors, une distance aussi grande en pas de l'ombre, ça va te demander beaucoup de points de mana. Ça va combien, à peu près? Pour aller jusqu'à là-bas, c'est limite tous les points de mana qui te restent. Ouais. Bon, je vais avancer. Je vais me mettre là. Là, je peux me mettre comme ça là? Oui, tu peux très bien te mettre là. Pour ne pas avoir GDKL qui est là. D'accord. Voilà, c'est pour pouvoir ensuite. Oui, là c'est propre, hein. T'as une ligne de visée, il a un bon mètre sur le côté quoi. Et est-ce que je peux utiliser tout mon mana? Oui, tu peux faire comme les autres. Hein. Si tu fais ça, ça veut dire que tu auras un bonus de 4D3. Et je tire. Qui prend une flèche dans l'épaule et il n'apprécie pas du tout. À moi! Ne lutte pas, j'ai des KL. Je vais lui mettre. Non, je vais utiliser mon sort de soin sur moi-même. J'ai un bonus ou pas? Non. Bah, je suis enragé, je suis énervé, j'en ai invoqué mon dieu et tout. T'as failli mourir, hein. Il te restait à peine un point de vie, t'as été soigné et t'as repris un coup de vie derrière. Pour donc, le bonus, malus, soin, rien du tout non plus. Rien de tout. Alors je récupère des points de vie? Oui. Tu incantes une lumière de guérison autour de toi et ça te redonne 10 points de vie. Shaolan. Oui. Je décide de me mettre entre GDKL et Véro, de lancer une consécration en sacrifiant 16 points de vie pour avoir full mana et décharger tout mon mana. Donc ça refait un bonus de 6 dés en fait, comme tout à l'heure. Ah oui, attends, par contre tu pourras pas te déplacer. Ta lumière elle apparaît pendant une demi-seconde et plouf, elle disparaît. T'as perdu le contrôle de ta magie, tout simplement. À toi, Titours. Alors, donc j'ai utilisé encore le trait de l'ombre avec des bonus. D'accord. Donc il te restera plus que un point de mana après ça. Bonus de 10 toujours? Non, par contre, cette fois, il n'y a pas de bonus. C'est quand vous êtes plusieurs à l'attaquer, je vous donne un bonus. Quand vous loupez, bah, il n'y a pas de bonus, quoi. Et un des trois. Oui. Tu le touches avec ton sort. Tu lui fais des dégâts. Mais t'as pas l'impression de lui avoir fait mal. T'as l'impression qu'il a une armure magique plus élevée que d'habitude. Il fait long. Il a voulu taper avec son bâton en même temps que d'esquiver. Donc il s'est un peu déséquilibré. Et il a loupé totalement Shaolan. Il a tapé à côté en fait. Loupé! Jimoricia, à toi de jouer. Donc je sacrifie 10 points de vie pour avoir 5 de mana et j'utilise mon mana. Tout mon mana, je suis prête à tirer. Tu m'as dit que tu utilises combien de points de mana? 5. 5. Donc ça fait 4D3 par contre en bonus de dégâts encore. Est-ce qu'avant de faire ça, je peux m'avancer légèrement pour avoir un peu plus de chance d'ailleurs? Oui, plus tu t'approches et plus tu as de chances de toucher donc. Par contre, pareil, si tu veux te déplacer, tu peux à peu près jusqu'à là, quoi. Pas trop loin. Parce que sinon, après, si tu te déplaces plus, t'auras un malus, quoi. Vu que tu te déplaces et tu vises en même temps. Okay. Donc là, c'est plus 5. Donc enfin, tu mets 5. Et le deuxième, tu fais 4D3. T'as voulu faire comme tes collègues. Tu les as vus charger leur sort, tu t'es dit, pourquoi pas moi? Le problème, c'est que quand tu l'as fait, t'as pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et t'as perdu le contrôle de ta magie. Donc ce qui fait que...
quand tu étais en train de charger ta flèche, en train de border ton arc en même temps, bah la flèche est partie toute seule alors que tu avais pas fini de viser correctement. Donc la flèche est passée à côté de Evo. Dis DKL. Je sacrifie 16 points de vie. Il est pas encore mort lui. Et je charge ma pénitence au maximum. T'es au corps à corps. Donc. Un petit bonus de 10. Et moi je lui souffle dessus et tombe. Ah. Bon ça. Shalan à toi. Bah moi du coup je décide de charger. Pour avoir un minimum de distance pour pouvoir courir et charger. Donc, oui. Je décide de sacrifier 2 points de vie pour récupérer 1 point de mana et faire un enchantement d'armes contre Evero. Par contre, excusez-moi, mais chez DKL, à part l'entendre faire des bruits bizarres, ça a donné quoi son attaque? Il a touché de 14 points de vie. D'accord. Ah voilà. Péter sa gueule! Mais on voit pas les points de vie de. C'est normal. C'est pas où il en est. Ah d'accord, c'est normal. Enchantement d'armes. T'as fait un succès. Tu charges ton arme de magie. Elle a une petite lueur supplémentaire, hein, comme d'habitude. Et là, tu mets un peu de masse dans son torse. Et il recule d'un pas. À toi, petit ours. Alors, je me rapproche un petit peu. Hein. Le coup de dague, est-ce que ça me permet de courir dessus pour lui mettre un petit coup de dague ou pas? Par rapport à la zone où tu étais au départ, oui, tu peux faire une charge pour lui mettre un coup de dague. Ouais, via les autres à côté qui auraient. Si jamais ils font du sort de zone pour faire du heal, j'en profiterai. D'accord. Alors, petit coup de dague sur le méchant. Qui vient de se prendre un coup en arrière, oui, niveau bonus. C'est ça, vu que il vient de prendre deux coups dans la gueule d'affilée, t'as un bonus de 15. C'est que tu cours sur lui, puis tu donnes un coup de dague. Sauf que bah, ça tape dans sa côte de maille. Mais la chance de ta dague, c'est que la lame est pas très épaisse. Donc tu arrives à y mettre un coup de pointe. En fait, tu lui fais saigner un petit peu. C'est comme si il avait pris une aiguille dans le corps. Quoi. Ah, prends ça, vilain. On va arriver sur le tour des bombes. C'est que là, entre le sort qu'il a pris dans la tête, le coup de masse, la flèche qui est toujours un peu plantée dans son épaule qu'il fait saigner doucement, et maintenant le coup de dague, vous sentez qu'il commence un peu à tituber. Donc ce qui fait qu'il aura un malus maintenant sur ses lancers de dés de 10. Et quelqu'un qui prend ça dans sa gueule. C'est celui qui a voulu me mettre sur sa brochette. C'est l'elfe. C'est l'elfe. Sur son aiguillon. Alors, ce qui se passe, c'est que suite à ton petit coup de dague qui lui a mis un coup supplémentaire, certes, ça faisait pas beaucoup de dégâts. C'était juste une sorte de petite aiguille. Mais sous le coup de la rage, il se retourne vers toi et il te donne un coup. Un jet d'esquive. Juste avant, t'as couru, t'as fait une charge, t'as mis le coup. Pour moi, normalement, t'es pas censé pouvoir esquiver. C'est que tu vas prendre le coup et tu vas tomber dans les pommes. T'arrives à moins 1 HP. Et éteint au suivant. Jimoricia, ça va être à toi. J'avance. Je peux pas healer mon petit ami là qui est par terre, là, tout pitchoun, là, pouf. Il est tout pas bien. Je suis prête à tirer contre l'euro. Tu remplis ta flèche de magie et tu lui tires une flèche quasiment au même endroit que l'autre flèche de tout à l'heure. Donc ce qui fait qu'il l'a vraiment senti et ça lui fait vraiment très mal. Donc JDKL. Le mec a un point de vie et 0 point de mana. D'ailleurs, ça fait 2 ou 3 fois que tu arrives à un point de vie. Donc là, tu as un malus de 10% pour pouvoir faire tes actions. Je lui saute dessus et j'essaye de lui arracher sa pierre philosophale des doigts. Je peux ? Tu essayes. Je suis énervé. Il ouais, balancé... Disons qu'il a plus de points de vie que toi. Il est plus en forme que toi. Hein. Sachant que les forces, c'est pas vraiment ton domaine. Jimoricia vient de lui mettre une flèche, donc normalement t'as un bonus de 5. De base, t'es fatigué, t'as un malus de 10. Tu vas me faire un jet de force, moins 5,
Mais vu que tu dois lui arracher des mains, qu'il va faire. Tu vas faire ton jet de force moins 5. Et Evoro va faire un jet de force aussi. Et s'il réussit son jet de force et que toi tu réussis aussi, là ça sera celui-là qui fait mieux au score. Par contre, si tu réussis pas et qu'il réussit, il la garde. Bon, dans tous les cas, t'as complètement loupé, donc Evoro, t'as limite pas besoin de qu'il faire de lancer s'effondre de dé. sur lui. En fait, Bah, je me pète la gueule sur lui, ça le déconcentre. tu lui sautes dessus, tu veux essayer d'attraper la gemme, mais avant d'arriver sur lui, t'es tellement fatigué que tu tombes à genoux pendant quelques secondes en fait, et t'es trop fatigué pour lui sauter dessus. Je t'aurai un jour, je t'aurai! Je décide de sacrifier 4 points de vie afin de récupérer 2 points de mana et de lancer une consécration. D'accord. Si tu la loupes, tu vas encore finir à poil, quoi. Ouais, mais bon. Par contre, pareil, hein, moins 10% de chance de le réussir. Ça fait plusieurs fois que tu descends bas en points de vie, tu sacrifies tes points de vie. Et t'as loupé ton dé. Ouais. Donc t'essayes d'incanter la puissance de la lumière. Ça passe la même chose qu'avec JDKL qui est à côté de toi. Quand tu commences à essayer d'utiliser cette magie pour pouvoir incanter un sort, bah tu tombes aussi à genoux en fait. C'est. T'as trop puisé dans tes réserves. Adieu, mon fils. En disant cela, Evoro prend son bâton. Il commence à le lever pour essayer de taper donc son fameux fils JDKL. Mais c'était sans compter qu'il venait de tomber à genoux, donc le bâton passe au-dessus de lui. À toi, Jimoricia. Yep. Il me reste encore 2 points de mana, donc je reste comme ça. Je suis prête à tirer. Je vise entre les deux yeux. T'arrives presque sur le côté, t'as pas de problème, toi, donc on va dire que t'as un bonus de 10 pour toucher. En plus, il vient de louper son Je action d'avant. vise. Je vise la pierre qui le sépare entre ses deux yeux. Non! Alors, en fait, ta flèche, t'as visé la pierre, comme tu disais. Le seul truc, c'est que la pierre, elle n'a pas été détruite par ça. Elle a dévié ta flèche et elle s'est plantée dans le corps d'Evoro. Et c'était la flèche de trop, parce qu'il tombe à terre et il meurt avec. Et c'est mon tour, je peux lui mettre des coups de latin avec Non, mon bâton. non, tu mets pas des coups de latte, tu vas te sauver la vie, Je lui petit pète sa gueule! pauvre, Je lui pète pauvre. sa gueule! Je viens de vous sauver la vie, les trois là. Moi je m'en fous, hein. Ça fait 10 tours que je suis Ah, avec un point de merci, vie et je suis ça encore aurait là. très bien, merci, ce serait sympathique. On ne remercie pas les elfes. Non, bah Ouais, oui, bah, surtout c'est des que je perds sous-races. la vie depuis tout à l'heure. Alors, Je t'ai quand qu'est-ce même qui se. bien aidé à un moment. Là. Là, une fois, tu m'as aidé à permettre de tout sacrifier pour faire une pénitence en plus. Alors, par contre, là, ce qui se passe, c'est que Titour, c'est à terre, donc on va considérer que vous allez l'aider. Ah bah oui, Bon, quand même. c'est un elfe. C'est pas un elfe, Je bordel. vais considérer qu'ils Si font c'est des un elfe. premiers secours qui te remettent à un point de vie, en fait. Donc, ce qui fait que tu te réveilles doucement, un peu blessé, avec des bandages, quoi. Ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main pour te soigner. On lui pisse dessus pour le réveiller. Théo, Si, ça si, à fait. terre, c'est que Et la pierre philosophale qu'il avait est tombée. je la ramasse. Et je suis le plus D'accord. près. Je suis le plus près. Joli caillou. Non, mais t'es pas le plus près, t'es surtout par terre. Donc la seule qui peut y arriver, c'est Non, plutôt non, je suis moi. juste à côté. Je suis peut-être par terre, mais je suis à Oui, côté. il a quasiment juste le bras à tendre pour la ramasser. Et ça me permet de récupérer tous mes points de vie et ma mana. Tellement c'est puissant, non? Non, ici, vous avez exactement la même porte que tout à l'heure, Ah, où ça? que vous aviez, Là. juste Ah là. Mais si vous regardez bien, Il manque une pierre. il lui manque une pierre. Ouais, bah je rampe jusque là-bas avec ma pierre dans les mains et puis je vais la déposer. Tu Tu peux peux? pas m'attendre 2 secondes au lieu de ramper. Mais si, je rampe. Telle une larve. Doucement, mais sûrement. Ouais. D'accord. C'est que quand tu remets la pierre dedans. Non, c'est pas toute la salle qui bouge. Incroyable. C'est juste la porte qui s'ouvre et
Vous êtes on retourne dans l'église. En vrai, c'est une église de traîtres. Ici, vous vous reconnaissez, c'est vous êtes dans l'église de tout à l'heure. Sauf que vous êtes arrivé par un passage secret qui était ici. C'est une sorte de bassin avec de l'eau. Et quand vous êtes sorti, ça vous a ramené ici, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez essayé de récupérer la pierre philosophale, sauf que la personne qui l'a ramassée a perdu l'esprit. Elle a voulu garder cette pierre pour elle, et en fait, c'est ses désirs les plus profonds et cachés qui ont pris le dessus quand il a ramassé la pierre. D'où le fait qu'il vous a trahi. Est-ce qu'on peut sacrifier tous les gens qu'il y a dans l'église, parce que c'est peut-être une église de satanique? Ça veut dire qu'il faut que tu te suicides avec eux? La pierre philosophale, c'était peut-être une fausse. Ça, vous en savez rien. Et de plus, c'est que elle peut corrompre l'esprit de la personne qui la ramasse. Il a ramassé. Le but, c'était à l'origine, c'était juste de te venger des Voro qui t'avaient trahi. Et le fait de l'avoir tué, ça t'a donné un sentiment de bien-être suffisamment important sur le coup pour résister à la tentation de la pierre dans l'esprit. D'accord. Parce que t'avais pas d'autres désirs pour le moment, tu avais assouvi ton désir. J'étais tellement content que je lui avais pété sa gueule. Non, c'est moi qui lui ai pété sa gueule. Alors, tu descends d'un étage, s'il te plaît. Tu lui as juste porté le coup. Ah, tu descends d'un étage depuis le début. Pendant 6 tours, j'étais toujours à essayer de la contrôler. Tu loupais à chaque fois ton truc. Non, pas à chaque fois, mais je coupe. Ouais, j'ai une fois. Oui. Et c'est ainsi que nous laissons nos compagnons dans une discussion sans fin sur qui est le véritable héros de cette aventure.